Bonjour à tous et désolée de ne pas avoir été présente, j'ai eu quelques petits soucis. Donc maintenant ça va mieux et je vais vous dévoiler donc les messages pour sur mois d'avril. Alors je vais débuter. Le signe sera le signe de la Vierge pour ce mois d'avril. Normalement, les 12 signes seront en ligne ce soir. Allez, on y va. Ça ne veut pas. Et quand ça ne veut pas, hop, Vierge et ascendant Vierge pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que nous avons? Pour moi, il y a l'aspect justice ou réglementaire. Donc, peut-être ça concerne les Vierges qui sont dans des professions qui les lient à la justice ou en tout cas, on est assermenté. Donc, si vous êtes vierge avec ce domaine professionnel, ça peut vous parler. Ça peut parler aussi à des vierges qui ont des soucis justement avec la justice, hein. Voilà, peut-être par rapport à perte d'un proche. Donc, ça voudrait dire peut-être tout ce qui est notaire par rapport à la loi. Ce qui signifierait aussi que peut-être on a perdu un objet, hein, la perte et le vol. Hein, donc, peut-être il y a quand même la loi sur ce mois d'avril par rapport à vous. Donc, vous êtes dans un métier où c'est un mois où, à mon sens, il y a l'aspect juridique qui ressort beaucoup. Voilà. De notre côté, on a la fidélité. Fidélité, donc vous êtes quand même un ami en général assez fidèle. Et on parle aussi de réussite sur ce mois d'avril. Donc, si vous êtes en recherche de nouveaux amis, vous allez en avoir. Et si vous avez des réussites aussi par rapport aux examens, donc ça peut être. Peut-être permis de conduire, ça peut être aussi le code, ça peut être des partiels, etc. Donc, à mon sens, il y a quand même des choses très intéressantes. La justice et le notaire par rapport effectivement à une personne qui est décédée, on dit que vous êtes en attente donc de papier, mais qui vous amène donc le côté positif. De notre côté, par rapport effectivement à cette réussite, on parle quand même de rester très prudent. Parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être être mis en porte-à-faux au niveau des délais que vous avez pour réviser. Et on vous dit attention pour le moment, attention parce que peut-être qu'il ne faut pas attendre la dernière minute. Et pour certains, il y a des travaux à faire chez vous ou un déménagement professionnel. Allez, on y va les Vierges et ascendant Vierge pour votre tirage, on va dire général. Et celui-là, c'est un tirage donc avec l'oracle de l'œil de Lotus. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai maintenant, donc, effectivement, des nouveaux projets qui se mettent en route pour vous sur ce mois. En tout cas, on a parlé justement de l'amitié, donc des nouvelles concernant l'amitié. Et on espère qu'il y a des amitiés, même professionnelles, qui vont aller sur quelque chose de durable. Hein, sur ce mois d'avril pour vous, et on dit que de toute façon c'est karmique. Donc il y a des retours aux nouvelles d'amis aussi qui vous reviennent. On dit que vous êtes donc des nouvelles par rapport à un signe fort. Donc signe fort, ça peut être le bélier, le lion, le capricorne. On peut trouver des signes aussi avec du caractère comme le scorpion aussi. Voilà, donc là on a de la rupture. Donc vous avez des nouvelles avec une personne de caractère avec laquelle peut-être il y a des ruptures. Alors ou amicales ou sentimentales. De toute façon, on a le sentimental, c'est la fibre souvent amicale, en tout cas affective. Voilà, rupture avec le déménagement. Hein. Donc là, on dit que sur ce mois d'avril, ça risque d'avoir une séparation ou professionnelle ou sentimentale. Mais qu'on veut rester amis. Donc peut-être qu'il y avait déjà une idée de cohabitation. Voilà, on dit qu'il y a un choix d'habitation, donc vous attendez plutôt quelque chose. On dit que vos demandes sont bien entendues et que vous savez être pédagogue et psychologique quand il faut l'être. Et il y a un côté maladie. Donc je pense qu'il y a une personne autour de vous qui est peut-être mal en point, dont vous allez prendre des nouvelles. Voilà, et que pour l'instant, on dit que c'est une personne qui est au repos. Alors, si vous êtes dans ces cas-là, reposez-vous parce que des fois, ça peut vous augurer quelques autres ennuis. Voilà.
voyez, donc pour le moment, on ne doit pas aller au travail, on se repose et il y a une certaine tristesse. Donc soit vous ne voulez pas voir le côté famille, la personne malade, vous vous refusez de la voir et ça vous fait un petit peu de mélancolie parce que cette personne est peut-être en train de passer l'âme à l'Orient. Voilà, donc pour moi, il y a de la chance aussi, donc il y a de l'argent qui rentre en jeu, mais il y a une sorte de trahison. Donc la trahison, pour certaines vierges, c'est que peut-être l'argent qui va être issu d'un héritage n'a pas été fait, comment dire, n'a pas été réalisé dans l'équité, hein, ou dans l'égalité. Voilà, il y a quelqu'un qui a eu plus de choses que vous, vous en avez eu, vous êtes seul, on dit que dans la vie, peut-être vous êtes seul, et que vous attendez des nouvelles de ce dossier que vous allez gagner. Donc pour moi, il y a peut-être des soucis au niveau familial, et vous avez la réussite dessus, peut-être qu'il y a même eu un procès, mais il y a la réussite parce qu'il y a la protection sur vous, hein, voilà, le dossier était quand même assez bien ficelé pour cette réussite, et ça concerne le travail. Donc je pense qu'il y a une fibre aussi familiale dans le travail. Peut-être qu'on travaille avec un frère, une sœur, un oncle, une tante, etc. Et que ça peut faire un peu, des fois, désordre. Mais sur ce mois d'avril, il y a quand même la réussite concernant un procès. Voilà, vous voyez, donc, il y a quelque chose qui va naître et qui sort. Et en général, ce qui sort, c'est quand même positif. Voilà. On va regarder maintenant avec mon nouvel que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé mon oracle lumière. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça. Pour vous, Vierge et ascendant Vierge, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui est prévu pour vous sur ce mois d'avril? J'espère en tout cas que le tirage vous plaira et que vous commenterez et que vous mettrez un pouce et que vous abonnerez surtout. Voilà. Alors, voilà. Là, on dit que il y a des projets nouveaux pour vous sur le mois d'avril. Avec une période un peu négative, hein. Voilà, on dit qu'il y a peut-être la maladie, vous n'êtes pas bien, on dit que peut-être ce projet est mal engagé, mais malgré tout, il y a quelqu'un effectivement de malade qui va décéder, qui vous amène l'argent, et c'est une personne qui était en train de guérir, voilà, et je pense que ça concerne une femme, voilà, donc moi je ne vais pas tourner autour du pot, pour moi j'ai un décès d'une femme autour de vous, sur laquelle vous allez avoir un héritage. De notre côté, concernant le projet, on dit qu'il y a eu vol sur quelque chose, peut-être, hein, comme je vous ai dit, peut-être une collaboration familiale ou avec un ami, et on dit que vous avez perdu beaucoup de temps et qu'on vous a peut-être aussi volé. On dit que c'est quelque chose qui vous arrivera sur l'automne et c'est quelqu'un peut-être qui est un peu plus âgé que vous. Voilà, cette personne est un peu plus âgée que vous et effectivement, vous avez travaillé avec elle. Et pour moi, c'est dans le domaine de la famille et on dit que vous attendez depuis un petit moment, vous voyez, et ça concerne l'affectif et ça concerne le mariage. Donc pour moi, il y a une association familiale, mais aussi une association affective. Donc peut-être que vous allez faire une alliance ou vous marier, hein. Voilà, pour moi, on dirait qu'il y a un mariage et dans le travail et un mariage d'amour. Voilà. Donc, il y a plutôt de choses très intéressantes. Je vais essayer d'en dire un peu plus. Allez, avec celui-là, qu'est-ce qu'on dit pour vous, Vierge? Effectivement, il y a quelque chose qui fait un petit peu de plat. Il y a l'emprisonnement. Donc, il y a un emprisonnement qui est psychologique. On dit qu'il y a peut-être des gens, des vierges qui ont eu le mauvais œil sur eux et que le travail a été fait à l'étranger, voire dans les îles. Voilà, il y a certaines personnes qui sont à l'hôpital aussi. On dit qu'il y a des problèmes au niveau du commerce. Donc peut-être que vous êtes dans une profession, vous essayez, qu'il y a des difficultés, vous essayez de faire une protection dessus. Et cette protection arrive voilà, bientôt. Pour moi, il y a des idées, c'est pas top quand même, et il y a la maladie. Donc pour moi, il y a des difficultés sur le professionnel, et pour moi, il y a une protection qui doit être réalisée dessus, sinon vous allez avoir un chiffre d'affaires qui va couler.
Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Allez, on va voir le sentimental. Qu'est-ce que j'ai au niveau du sentimental pour vous, les vierges? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, j'ai la trahison. Donc, la trahison, c'est des personnes qui sont peut-être en ménage, en couple, qui vont aller voir ailleurs. La trahison peut être aussi professionnelle. Hein. Il y a quelqu'un à qui vous avez fait confiance, on vous met un petit peu le couteau dans le dos. Mais attention, il y a des coups de canif sur ce mois d'avril pour certaines vierges et pas tous. Mais vous allez découvrir qui c'est. Et si vous êtes en séparation, il y a une séparation par rapport peut-être à cette idée d'adultère. Voilà. Donc pour moi, selon moi, il y a une personne effectivement qui va décéder. Mais on va apprendre que cette personne décédée faisait sa vie ailleurs avec une autre personne. Donc on reste marié, mais on a la double vie. Attention. C'est une personne âgée. On dit que ça fait très longtemps qu'il y a cette idée de trahison. C'est quand même quelqu'un qui est à la retraite et qui ne travaille plus. Voilà, donc il y a des examens, hein, des examens à passer, peut-être médicaux. Voilà, et il y a des examens devant la justice. Donc, certaines vierges peut-être qui sont à la retraite souhaitent se séparer et la justice est en train de vous demander des papiers. Par rapport à cette séparation, il y a la trahison. Voilà. Pour certains, ça ne correspond pas peut-être à tous les vierges. Vous prenez ce qui discernement. On dit qu'il y a des enfants qui travaillent ensemble aussi. Donc, ils sont présents. On dit qu'il y a certaines personnes peut-être qui ont du magnétisme dans cette famille. On dit que c'est donné par une femme. Donc, il y a des vierges qui vibrent par rapport à une femme aussi, hein. Voilà, peut-être que karmiquement, vous avez fait quelque chose, mais cette personne se protège. Voilà, on la met un petit peu à l'abri et on dit que c'est une personne qui a été la chance de votre vie. Donc, attention, sur avril, il y a peut-être des retours d'affection. Et voyez, il y a quelqu'un de malade quand même. Vous n'êtes pas très bien hein, quand même, les vierges, sur ce mois d'avril. Voilà, vous inquiétez pour vos enfants aussi. Il y a des enfants peut-être... pas très bien, malade, un petit peu. Et on dit que vous allez peut-être les amener, faire un petit trek, ou voilà, les ouvrir à autre chose. Voilà. Donc, l'amour revient à votre porte. Hein. L'amour revient à votre porte et la personne a déjà des enfants pour vous. Voilà, l'amour revient hein, sur ce mois d'avril. C'est super. Hein. Un très, très, très beau jeu. Voilà, qui va vous sortir de votre torpeur et de votre 4 mètres carrés. Voilà, ça va vous sortir un petit peu de ça avec un compromis. Donc, les vierges, si vous êtes dans quelque chose de séparation, il y a un compromis, il y a une entente qui se fait. Pour ceux qui sont seuls, il y a pour moi une reprise de relation qui vous amène sur quelque chose de très chaleureux et de stable. Je vais clôturer ce tirage avec, comme d'habitude, la triade. Allez, que donne la triade? Alors, la triade dit qu'on se trouve protecteur, il y a une protection sur vos affaires par rapport à un contrat. Oui, il y a un retour par rapport à ça. Donc, peut-être il y a une assurance vie qu'on attend. Attention, pour certains vierges, vous vous êtes fait avoir, hein. Deux pas en avant, trois en arrière. C'est pas trop quand même clean, hein, là, sur votre... Voilà. Et ouais, le voyage. Donc, on dit qu'il y a des choses qui font route, mais aussi, je dirais, qu'il y a le côté proposition, peut-être travail à l'étranger ou habiter à l'étranger, ou de toute façon, il y a un étranger qui rentre dans votre vie. Faites attention un petit peu. Donc, il y a le choix. Vous attendez et il y a le choix. Avec la justice pour quelqu'un qui a une profession libérale. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes dans la loi, comme j'ai dit au début. Et voilà. Donc, vous attendez le retour d'une personne qui est dans la loi et qui est libérale. Et ça fait un moment dont vous n'avez pas trop de nouvelles, mais ça revient. Une personne qui a un patrimoine et qui a peut-être un prénom d'origine étrangère, qui a un rendez-vous qui arrive avec elle. Oui, c'est une personne que vous aimez, hein. Donc, sur ce mois d'avril, c'est pas mal. C'est une personne qui est peut-être un peu plus jeune que vous. Mais en tout cas, vous êtes très curieux.
par rapport à elle. Et c'est une personne qui est déjà en couple. Voilà. Et vous avez toujours souhaité refaire le couple avec elle, mais visiblement, elle n'a pas souhaité. Mais pourquoi pas, parce que j'ai quand même le retour. Et on se voit quand même de temps en temps. Voilà. Mais il n'y a pas de sexualité. Et on dirait que la personne n'habite pas à côté de vous. Voilà. Mais il y a reprise de relation. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes vierges, ascendant vierges, sur ce mois d'avril. Je vous fais de gros mimi. Et je tenterai d'être plus présente sur les pour les vidéos de tirage. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon mois. En tout cas, de le continuer. Un très bon mois d'avril. Au revoir.